Salut, c'est Trado. Voici mon commentaire pour lundi, demain, le 13 juillet. Alors, la séance de vendredi n'a pas apporté grand-chose. Ça s'apparente quand même à une séance de consolidation de la baisse. On remarque graphiquement qu'on est toujours au milieu du canal ocre descendant, avec pour objectif le bas de ce canal, au moins vers 880. Ce qui coïnciderait également à la résistance horizontale, pardon, support horizontal vert. La tendance est clairement baissière tant que l'on s'inscrit dans la fourchette jaune et tant qu'on n'a pas invalidé ce canal ocre. Le pullback sur, enfin le throwback sur l'oblique bleue est tout à fait classique, hein. On a cassé, donc maintenant on teste et le défi pour les taureaux est de passer à la hausse et de clôturer à la hausse au-dessus de cette oblique, ce qui invaliderait la cassure. On remarque que c'est une bougie qui a une longue mèche basse, ce qui montre que les plus bas ont été achetés. Et au prix d'un effort assez important, on voit que les intervenants ont réussi à clôturer à l'intérieur des Bollinger, ce qui est plutôt un signe favorable. Mais il faut pas s'y tromper, techniquement c'est toujours l'horreur. MACD et stocks sont en dessous de leurs signaux respectifs, momentum est négatif, les cours sont en dessous de la M7 et de la M20, donc pour l'instant on ne peut pas privilégier autre chose, dans le meilleur des cas, hein, qu'un rebond technique, du moins tant que les indicateurs seront aussi dégradés. C'est pour cela que demain, je continuerai à privilégier les shorts sur des techniques sur des signaux techniques valables. Par exemple, on peut envisager que les cours à hypercuter la M7, voire même à hypercuter la M20. Et si les conditions sont favorables, ce serait, à mon avis, du moins pour moi, des bons points d'entrée short. Voilà, à demain.